Ma Mission TV, le miroir du monde. Que votre activité ne doit pas avoir lieu. La raison, il n'a pas donné de raison. Lui, d'ailleurs, on n'était pas prêt de se prêter à ces jeux-là parce qu'il voulait vraiment voir qu'il y ait confrontation entre les militants qui étaient nombreux, qui voulaient à tout prix aussi s'affronter à la police. Mais M. Ngobila, avant d'être à la tête de la ville de Kinshasa, il a été gouverneur dans la province de Maïndombe, et je crois que vous avez les informations jusqu'à ce jour. Il y a un dossier qui continue, un dossier pendant, qui jusqu'à ce jour n'a pas encore trouvé d'éclairage. Alors, Monsieur Ngobila, qui avait reçu notre lettre, il s'est fait que les policiers, les dispositifs qui étaient mis en place n'a pas permis à ce que le logisticien fasse son travail, c'est-à-dire installer les podiums. Blessés, en tout cas, qui ont eu des chocs et ont perdu de l'air bien. Non, c'est ça. Surtout. Ma Mission TV, le miroir du monde. Les blessés sont encore mieux. Aller encore de nouveau, relancer le contact avec le gouverneur, de voir physiquement et que le gouverneur est autorisé. Je sais aussi, entre autres, parmi les raisons qui normalement le gouverneur n'est pas du tout là, je peux vous dire que vous autorisez peut-être à aller moi, mon souci, c'est pas l'intention de Tchassou Bini. Nous avons pas de la toi, tu vas laisser comme on va faire. Peut-être encore, pas seulement au gouverneur. Moi, tout ce que je voulais, d'ailleurs, like ça, Banama, il va vous dire tout le monde que nous avons été sabotés festival à la ville. Non, activité là qui programmait les gens qui ont été depuis le 28. Alors, le rôle là, et ça a mis bon, surtout qu'on a papa, mon lit, mon aïe, puis on dit jamais. Mais non, c'est la peine, on va dire que je suis en cause. Parce que ça, on va dire que ça, on va dire que ça, Dans le calme, pour la tour d'expliquer mes mots à Dieu. Je reste. Je ne sais pas si je suis là. Ma foule, voilà. Essentiellement sur un seul point.
Comme vous le savez si bien, le Nouvel Élan, notre cher parti, le parti du camarade initiateur Adolphe Mozito, avait prévu d'organiser un meeting populaire. Aujourd'hui, samedi 15 mai, au terrain centre appelé communément terrain et cancard, qui se situe dans la commune de Kalamo, sur la chaussée de Kimwenza. Et certainement, vous vous êtes posé tant de questions, puisqu'il était prévu que nous puissions démarrer notre meeting, notre activité à 11h, et que normalement, les militantes et militants s'apprêtaient à rejoindre le lieu du meeting déjà à partir de 9h-10h. Mais on pouvait s'y attendre, parce que, je le dis, on pouvait s'y attendre parce que c'est depuis le 28 avril, que nous avions saisi l'autorité municipale, M. Ngobila, pour lui informer, lui donner, selon l'article 26 de la Constitution de notre pays, il nous a été demandé, recommandé d'informer lorsque nous voulons organiser une activité dans les lieux publics. Ce qui a été fait, nous avons les accusés de réception ici. Il y a M. Ngobila qui avait reçu notre lettre en tout cas, en date du 30 avril, deux jours après. Il y a le commissaire provincial de la police qui avait accusé réception également le 30 avril, et puis le bourgmestre de la commune des Kalamou le même jour, le 30 avril. C'est-à-dire que à ces jours, nous pouvons dire que deux semaines avant, nous avions informé les responsables ou les autorités de cette ville de la tenue de notre meeting dans la commune des Kalamou, précisément au terrain et Kankar. Mais malheureusement, ce matin, à 6 heures, en tout cas 5 heures déjà, puisque j'étais en contact avec les logisticiens, ils devaient placer le podium au terrain pour permettre à ce que nous puissions passer notre communication. Il s'est fait que les policiers, les dispositifs qui étaient mis en place n'ont pas permis à ce que le logisticien fasse son travail, c'est-à-dire installer les podiums. Quelques minutes après, il m'a appelé directement pour me tenir au courant. Et je, en tout cas, je voulais vous épargner de détails. Mais avant déjà 6 heures, c'est que hier, personnellement, j'avais constaté qu'il y avait un podium qui s'installait ou qui était en train d'être placé sur ces terrains-là. Je suis entré en contact avec le responsable, la personne qui plaçait le podium. Il m'a dit que c'était pour le compte du festival commémorant le 5e, en tout cas, anniversaire du décès du patriarche Papa Toro Ngombe, que vous connaissez certainement, qui fut ancien bourgmestre de la commune des Kalamou, responsable du football club Imana, et puis tant d'autres titres que vous connaissez. Alors, je dis aux amis, bon, comme votre activité va démarrer à 17h, 16h, ça ne pose aucun problème, puisque nous avions écrit depuis le 28, c'est vrai, M. Ngobila, jusque-là, n'a même pas pris acte, mais nous savons qu'il a déjà l'information. Nous serons là demain. Et nous allons placer le podium de l'autre côté. Ça ne va pas empêcher la tenue du festival, que tous, d'ailleurs, nous allons prendre part, puisque, comme vous le savez, au-delà d'être responsable politique, secrétaire général au sein du Nouvel Élan, je suis un de notables de la commune des Kalamou, je côtoyais Papa Toro, donc je ne pouvais que m'incliner à ces festivals. Voilà pourquoi j'avais dit aux amis, juste après, nous allons nous retrouver là. Mais ce matin, on a vu les policiers, comme je l'ai dit, non seulement barricader, non seulement occuper le terrain, mais ils ont barricadé toutes les voies d'entrée qui mènent vers, en tout cas, Yolo, en commençant par Capella, les amis qui connaissent bien Yolo, là où la chaussée est détruite
et dans un état de délabrement que M. Ngobila lui-même d'ailleurs n'arrive pas à réhabiliter. Ils ont placé les barrières à ces niveaux-là, ils ont placé les barrières du côté entrée université sur l'avenue Goa. Ils ont placé vers l'entrée qu'on appelle Mundelengulu, l'entrée Makala, un peu partout, ils ont quadrillé les coins comme s'il y avait un problème. Alors, je me suis déplacé personnellement jusqu'au lieu parce que je ne pouvais pas laisser la situation passer comme ça. En arrivant, ils m'ont empêché d'entrer et j'ai insisté. Finalement, ils ont fait venir le bourgmestre qui était déjà de l'autre côté vers le terrain. Lorsqu'il arrive, je lui pose la question. Il dit non, moi, j'ai reçu des instructions de la part de mon chef que votre activité ne doit pas avoir lieu. La raison, il n'a pas donné de raison. Lui, d'ailleurs, il m'a demandé si je pouvais continuer à insister pour que le gouverneur dise quelque chose, lui donne l'autorisation pour que nous puissions ne fût-ce que franchir cette barrière qui a été placée. Donc, bref, chers camarades, chers amis de la presse, nous voulons ici dénoncer cette attitude, cette façon de faire que nous considérons, qui viole déjà le texte de la République démocratique du Congo, l'article 26, je l'ai dit, ça viole les libertés de manifester, mais surtout les méthodes barbares que M. Ngobila avait instauré à Kinshasa. Parce que vous savez, M. Ngobila, avant d'être à la tête de la ville de Kinshasa, il a été gouverneur dans la province de Maïndombe. Et je crois que vous avez les informations jusqu'à ce jour. Il y a un dossier qui continue, il y a un dossier pendant, qui jusqu'à ce jour n'a pas encore trouvé d'éclairage, alors que M. Ngobila, c'est lui qui était gouverneur là-bas. Il arrive à Kinshasa, on constate qu'il veut exceller dans ces mêmes méthodes parce que vous allez une fois de plus vous souvenir que le 24 du mois passé, le 24 avril, nous avions, nous, ici je parle de la Mouka, initié une marche pour montrer notre affection, notre solidarité avec nos compatriotes qui tombent, qui meurent dans la partie est de notre pays. Mais une fois de plus, M. Ngobila n'a même pas, il n'a pas dénié, en fait, il n'a même pas donné des dispositifs, des orientations, comment la police devrait se déployer pour encadrer les manifestants. Et conséquence, c'est qu'il y a eu mort d'homme, il y a une militante de Nouvel Élan que nous avions perdue, il y a un camarade qui a perdu son œil, il est obligé de se faire amputer de son œil droit. Et voilà, plusieurs camarades blessés, en tout cas, qui ont eu des chocs et ont perdu de leur bien. Vous allez vous souvenir de la toute récente aussi confrontation qu'il y a eu entre les fidèles de la confession ou de l'église musulmane. Entre eux, vous avez vu, il y a eu encore mort d'homme, il y a eu des blessures, des chocs. Tout ça, c'est dans l'actif de M. Ngobila. Et aujourd'hui, si vous comprenez bien, c'est que M. Ngobila voulait nous opposer à l'organisation ou aux organisateurs du festival ou de l'activité qui commémore le 5e année de la disparition du patriarche Maître Toro que nous respectons, puisque je l'ai dit, au-delà des responsabilités politiques, je suis notable de la commune de Kalamu et Maître Toro, c'est notre patriarche. Tous, nous nous inclinons devant sa mémoire, devant ses œuvres, ce qu'il a pu faire, non pas seulement pour la commune de Kalamu, mais aussi pour le pays, la République démocratique du Congo. Malheureusement, pour M. Ngobila, il a échoué parce qu'on a usé de notre sagesse, de notre éducation des militants d'un parti socialiste qui met l'intérêt du peuple, qui met l'intérêt de la population en avant-plan, ce qui fait qu'on a déjoué les plans sanguinaires, le plan machiavélique de M. Ngobila. Ce qui m'a amené justement à prendre langue avec le bourgmestre. Je crois que les amis qui étaient là ont vu les images, pour lui dire que nous, on n'était pas prêts
de se prêter à ces jeux-là, parce qu'ils voulaient vraiment voir qu'il y ait confrontation entre les militants qui étaient nombreux, qui voulaient à tout prix aussi s'affronter à la police, mais on a dû calmer les jeux, apaiser tout le monde de manière à éviter ces pièges qui nous a été tendu par M. Ngobila. Voilà, chers amis de la presse, c'était ça l'objet de notre communication. Mais avant de finir, peut-être vous passer la parole pour quelques deux, trois questions. Je confirme ici que aujourd'hui, nous n'avions pas organisé notre activité telle que ça a été prévu, mais je promets à la population de Kalamu, les habitants du district de Lafouna, que nous allons revenir, parce que c'était sur demande des militantes et militants du Nouvel Élan, mais également de toute la population de la commune de Kalamu et du district de Founa, que nous puissions organiser un meeting dans cette partie de la ville de Kinshasa. Et comme ils ont empêché par des méthodes, je l'ai dit, barbares, des méthodes irresponsables, nous allons revenir pour organiser, en tout cas à une date que nous allons vous fixer très bientôt, cette activité pour vous permettre, habitants de Kalamu et de la Founa, de communier avec vous, savoir quelle est la position de notre parti politique, quelle est la position du leader de Nouvel Élan face à l'actualité politique de notre pays. Voilà, chers amis de la presse, chers camarades, la communication que j'avais à partager avec vous. Peut-être que nous allons nous mettre à votre disposition pour quelques questions. Merci. Merci, c'est la promettée. Est-ce que si encore un peu chemin, qu'allez-vous faire? Parce que la manière dont nous avons vu les dispositifs, je crois qu'il y a un sens de va-pas. Alors si la prochaine fois, on vous empêche de tenir votre matinée ou votre meeting, qu'allez-vous faire? Merci beaucoup, Maître Blanchard. Dieu merci. Journaliste de Fast TV, présentateur de l'émission, à vous la parole. Merci, et M. Zalingala, parce que comme on l'a dit, on l'a dit. Et Maître Blanchard, vous savez qui meeting, de tout le monde qui est en train de se faire, nous avons comment bâtir la barrière, mais quand nous sommes en train de se faire. Mais vous voyez, est-ce que vous êtes au courant que non, activité que vous pour que ou bien soit semaine, vous avez une activité que vous avez, ou bien vous avez une activité parce que pour que beaucoup d'années. Deuxième question, Isali, pourquoi pas te que non, dans le cadre d'activité que vous avez, l'objectif, pardon, excusez-moi, l'objectif et l'activité que vous avez, Isali, qui n'est-ce pas? Je suis M. Ben Dibanzi, le fonctionnaire de la tempête tropique et puis Impact.info. Je voulais poser la même question avec mes confrères, malheureusement, elle a déjà posé. Mais une autre question sous question. J'aimerais savoir, M. Blanchard, est-ce que vous avez pris quelques dispositions justement dans votre parti pour que cet acte ne se réitère plus? Qui n'a pas quitté l'activité de Moussou Souezala Kikuna pour organiser l'activité de meeting dans le même lieu? Nauti Kolobango Awa Ndeko dit merci que depuis le 28 avril, Mukanda Isali Awa Tosila Kikokoma pour couper sa information. Il y a meeting Nabiso Oyo, Tolinga Kikosali Salelo. Le 28 avril, Kino Lelo, Nabanzae que Isali déjà deux semaines Nandambo. Et Lingi Kolobae que Soki activité Moussousou Ezalaki, parce que c'est normal que tu ignores que activité Moussousou Ezalaki, parce que bisote nde moutou tope saka, ndingisa tope bisote moutou, to yambaka, ba information, ya ba activité, ou esengeli ko salema na ba lieu public. Ba e bazalaki, to ba e bazali, nandingisa, ya ko yamba, ou ezali ba information, pe ko e ba ko encadre, ba activité nyon soto e ko salema na lieu public, ba ngonde moutou bazali na mokumba, ya ko yanola biso na mokanda po na ko yebisa biso par exemple que na date oyo bochei activité na bino tala baninga basusu pe basilaki ko pona kaka date wana na yango to ko proposer bino bo pona date mosusu po ete e sala makele lete. Voilà le lenge responsable, le lenge ya malonga ya bato oyo ba yebi bokambi l'état ndenge nini esengelaki na bango ko se comporter. Mais puisque Tozu Mokanda wanate, biso to considéré que effectivement activité mosusu ezalaki wanate nde omoni to évolué to avancé to matisi ba banderole partout na district ya Founa ndenge na lobby
to sensibiliser na media partout bande ko bazako tambola na ba veni na ba quartier partout pour na kotali ça solo été les 15 wana biso to kozala wana batikali ko yebisa biso eloko mon côté mais mikolomi balé misatu yambo ete to ko mana mokolo ya lelo tango to ye ko apprendre ete activité moko ezalaki ko se préparer pour na ko pour la mémoire ya papa Toro to meki ko se renseigner ba ebisi biso d'abord moi tâtonnement pour na esika oyo milulu ane sengela ko sale mezalaki ba ebisi biso tantôt bande ko ba ebi yolo ba ebisi biso ngai ko sale mana terrain ya kamina na quartier yolo nord pe basus balobi non ekozala na espace mama muluka salle oyo ya maître Toro ye moko epai ba activité sale manka. Alors, ngai tango na zwa ki information na en tant que notable ya commune ya Kalamu na participa ki pe na lolenge na ngai na sali si banderole oyo ezali na kapela wana lelo bande ko baebi singai deja misa elingi ko banda na paroisse Saint-Gabriel banderole mosusu ko zala wana pe na terrain wana kaka ko zala tango na yo ki ono bino mais wana zali papa na biso moto asali makambo ebele et sengeli to accompagner to sensibiliser bato ba répondre massivement na festival wana pour na honorer mémoire nae mais tango toye ko mona été na veille baza ko tia podium na terrain et pas meeting et sengela ko salema na tuni motu na ba singa non festival et ko salema nde na terrain oyo na lobi oh mais ndenge nini ba autorité yango oyo ba yambaka mikanda na biso pona ba information ba activité to ko salisa ba ko ki kondima ete na date moko milulu mibale miye bana ko salema kaka na isika moko ba bisinga te bango ba ko banda le 14 pe ba ko suki sa le 15 na koti na sali manso pona ko kota en contact na organisateur parce que ndenge na le biso to zali bato ya kimia to zali bato oyo tulinga ko salema kambo manso yenge bene na mibeko tango na soli na ba responsable ba singa ba bi non monsieur le secrétaire général biso toko banda activité na 16h nga le bi ah ça tombe bien parce que biso milulu ezali na 15h pour na ko éviter ba problème lokola mukanda na biso essayer kotaki toko sala meeting na biso soki to linga ko si sala 17h toko kata na biso ata 14h 15h de sorte que bino bokoba milulu na bino toko déplacer podium na biso na kimia nyoso pe milulu e kokoba ba biso problème ezate mais soki bakambi soki ndeko wana zaki kutu boboto lisusu mingi alobi soki bourgmestre topé gouverneur a yebisi biso ete to tiki la bino même podium to ki ko tika comme ça au lieu de deux podiums Bruxelles la podium na biso likambo ezate deja pona ko lakisa que biso awa esengeli ko longola na mutu ete to yaki ko salisa milulu na biso pona ko empêcher to pona ko luka mobulu na bande ko na biso baninga na biso o bazali ko organiser festival milulu o ya papa Toro ndenge na lobi azali patriarche na biso nyonso tozali ko tosa mémoire na ye tozali ko tosa molimo na ye loin de nous ndenge na lobi awa l'intention ya koluka ko bebisa makambo na ye d'ailleurs soki otali attitude na biso lelo ezali justement ndenge na lobaki yango na lopoto pona ko lakisa ete tozali na respect mingi na molimo ya tata na biso yango moni nga moko na kitaki ya mboete makelele ebima ya mboete mobulu esalema kopekisa bandeko ba militant na ba militante oyo ya nouvel élan na bandeko nyonso ya Kalamu pe funa o bayaki wana bakomaki deja surchauffe ba bunda na kaka na ba policier na yaki kopekisa pamba te nalingaki te ete toyeba na kotombe na piège oyo ngobila alingaki kotiesa biso na moto a memisa biso mokumba ya koloba ete toye kosabote oyo ezali festival ya papa Toro. Donc bref na koloba ye que activité wana toye kozala plus ou moins informé na yango quelques jours alors que biso tosi to programma ki to informa ki bango ba autorité mpona tenu ya oyo ya biso ce qui fait que lelo ndenge omoni nauti koloba wana attitude na biso oyo eza attitude ya olakisa ete confrontation isaki na makanisi na biso te objectif au lobby objectif ya activité ben objectif tozali lingomba politique obi ete mboka ezali kotambola mabe lelo yo sur le plan sécuritaire obi ete na partie est ya mboka na biso makambo mazali kotambola malamu te
bazali bande ko na biso bazali ko perdre bomo ina bango bazali ko bomo bato gratuitement balingi peto lo baté mais biso to lobito ko lo bakaka sur le plan social tala lelo oyo ba mama bazali ao tuna bango ekolo ya fufu tuna bango sakombi ya sukali tuna ba mama lipa gram nango ekomi ndenge nini tuna ba mama prix ya mbolongo mbisi comment on a été sur le plan social bomo ya bato ezali malamu te sur le plan politique lelo oyo to perdre makasi koleka o ezali ba valeur démocratique na mboka na biso ngai kutu na koyebisa bango bato ango bazali ko kamba mboka o contre volonté à peuple congolais avec toute légitimité bazwa courage ya ko décréter kaka que Congo est comme dictature to pe comme monarchie comme ça toyeba libela été tozana kati na dictature au lieu to ça la semblant ya ko lobaka été nous sommes dans une démocratie tozana état de droit bazwa courage bazo bomba na pona nini parce que les loyaux to perdre ba valeur démocratique nyonso o tozala ki na yango tala mai maleki lelo ba policier o nyonso ba bimisi bataillon wana misolo o ba pesi bango pour ba motiver bango ba ya ko telema wana misolo wana ko kai ko sunga na makambo ebele donc ezola ki ça été sur le plan démocratique sur le plan ya ba respect ya droit de l'homme to perdre ebele yango moni lelo ndenge otuni objectif objectif na biso ezala ki kosolola na population kosolola na ba militante pe ba militant na biso kotali sabango lolenge mboka ezali ko kende na libulu pe mayele nini o esengeli na biso ko tia po ete to ebana ko bima na libulu wana de manière à ce que to bongisa maye mazali ko ya mboka na biso ebana ko kende liboso to se préparer po na maponami o ezali ko ya donc voilà na mokuse maye na oki ko ya nola na motuna ya ndeko Dieu merci alors maman Joël Atouni, en cas d'empêchement pour la prochaine fois. Non, Nabanz a été, maman Joël, nous sommes un parti politique, un parti responsable. Nous l'avions dit, je l'ai dit tantôt, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avions pas voulu nous livrer à ces pièges que nous avait tendus, messieurs Ngobila, en voulant nous voir, en cherchant nous voir s'affronter avec la police de manière à nous créer des problèmes au niveau du quartier Yolo. C'est vrai, nous avions déposé une plainte contre M. Ngobila par rapport aux atrocités, aux actes qui ont été posés lors de la marche du 24 avril dernier, la marche en solidarité avec nos compatriotes de la partie Est. Mais prochainement, si nous organisons notre matinée à Yolo et que ce genre de comportement s'est reproduit, en tout cas, nous allons prendre nos responsabilités en tant que parti politique, en tant que citoyen congolais aussi, de faire appliquer le texte parce que la Constitution nous dit que nous avons le droit de manifester publiquement, mais à condition que nous puissions donner l'information. Et la Constitution nous dit, en son article 64, que nous devons barrer la route aux imposteurs. Nous n'accepterons pas que les gens croient que, puisqu'ils sont là de manière illégitime, qu'ils ont tout le pouvoir de nous empêcher de tout se permettre. Ça, nous n'accepterons pas. Nous ne sommes pas des cobayes pour permettre à M. Ngobila de faire ses essais tels qu'il a fait à Yumbi. Cette fois-ci, nous pensons qu'il devra, en tout cas, prendre des dispositions, prendre ses distances, puisque nous n'accepterons plus ces genres de provocations. Je l'ai dit, il y a une plainte déjà que nous avions déposée contre lui et nous allons insister, nous allons continuer ainsi s'il cherche ou s'il veut vraiment exceller dans ce genre de comportement qui consiste à violer les droits des citoyens. Alors, la tempête, c'est pratiquement à peu près la même question, les dispositions. Je l'ai dit, donc nous prenons des précautions, nous nous préparons pour que ces gens, parce que je ne l'ai pas dit, hier, pendant que nous étions en train de voir sur le plan pratique comment on allait placer notre podium ce matin, l'initiateur de notre parti, le camarade Adolphe Mozito, a tenté plus d'une fois d'entrer en contact avec M. Ngobila. M. Ngobila n'a pas voulu répondre. C'est pour montrer justement qu'il a fait à dessein. Donc, c'est une provocation. Mais nous disons que nous n'allons pas continuer à céder, nous n'allons pas continuer à subir ce genre de provocation. Nous mettons à témoin, nous prenons à témoin
la communauté internationale, nationale et toutes les organisations non gouvernementales de ce genre de provocation. Prochainement, nous pensons que M. Ngobila devra faire en sorte que nous ne puissions plus nous retrouver dans ces genres de comportements, dans ces genres de situations, parce qu'il risque gros, puisque comme je l'ai dit, il y a une plainte, mais s'il pense qu'il a tout le pouvoir, en lingala, on dit plainte et pour la kate. Ou toi, zo salawana, le rôle à tout site au fundi, tout ou tard, à quoi y'a, à quoi répondre, on a acte, n'y a surtout au hasard proposé. Merci.